Yahoo, mon petit Pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour un swap. Mais alors, la boulette de la boulette, parce que comme je reviens de Paris et tout, etc., ben, j'ai tout mis, sauf que déjà, j'avais un problème avec mon retour écran qui a un carré qui, j'ai l'impression, ne fait plus exactement la mise au point. Et en fait, tout content, j'ai fait mon swap, j'étais là en mode, tiens, c'est bizarre, parce que des fois, quand je présente un objet, je vais prendre au hasard ma batterie, je présente l'objet, et en fait, souvent, je refaisais ces phrases-là quand je fais mes vidéos swap, et là, j'étais en mode tout content parce que y avait eu zéro couac. Et une fois la vidéo terminée, j'ai réfléchi à un truc. J'avais pas mis le micro. Ouais, ça fait deux fois que ça me le fait. Donc, bah, je vais pas mentir, hein, tout est déjà ouvert, tout est déjà sorti. Je te mettrai vite fait en accéléré à la fin de la vidéo, juste pour que tu vois mes réactions, même s'il n'y a pas le son, hein, que ce soit le générique de fin. Mais voilà, bah, j'ai grave, grave, grave merdé de ouf. Donc, je suis désolée. Alors, il y avait ce petit collier où c'est un panda. Voilà, c'est un collier qui vient de chez Claire's. Donc j'ai eu une petite peluche d'un panda tout mignon, qui est la marque Gypsy, qui est la marque, une marque qu'on retrouve dans les grandes surfaces et trucs comme ça. J'ai eu un magnifique carnet pour noter toutes mes idées de Mickey Mini. Voilà. J'ai eu une paille avec Stitch dessus, qui est mon personnage préféré de l'univers Disney, vu que de toute façon, je pense que tu le sais, vu l'étagère que j'ai dans ma chambre. Avant, j'ai eu donc en numéro 9 celui-ci, c'est un verre donc Mickey Mini pour boire pour m'hydrater tout en étant kawaii. Voilà. J'ai eu un album photo, panda, je pense que ça vient d'AliExpress. Je dis ça pour toi, pour que tu puisses retrouver si ça t'intéresse. C'est une mademoiselle team AliExpress, alors que moi je suis team Wish. Voilà, parce que Wish en fait il y a PayPal et AliExpress ils prennent pas PayPal. Et j'aime pas payer sans PayPal. Ensuite j'ai eu ceci, donc c'est un super cute. C'est un masque pour masque pour le visage parfum pâquerette. Alors on n'en sait pas plus. Donc du coup comme on ne sait pas plus sur ce masque, parce qu'à l'arrière il te dit juste de nettoyer et appliquer le masque, de se détendre pendant 15 minutes, masser et rincer. Donc je vais le garder comme objet de collection, objet panda, pour ma collection panda. Voilà. J'ai eu droit à ceci, des assiettes donc en carton poupée LOL. Voilà, ça vient je pense de Action. Mais je trouve ça trop mignon. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre là? Non, j'avais laissé ça comme ça. Ah oui! J'ai eu ceci qui était juste trop trop cool. C'est des cahiers pour apprendre le jap. Donc en niveau 3, niveau 4 et niveau 5 je pense. C'est toute une collection parce que tu vois ici il y a les numéros. Et on a vraiment des choses intéressantes parce que c'est. Comment dire? On a des petites pages d'exercice, mais c'est version enfant en fait. On a ça. Ici, on a comment faire les symboles. On a par exemple juste un son pour colorier une couleur. Voilà. Enfin, un son. Comme nous, s'il y avait écrit A, B, C ou quoi. On a ceci. On a des petits jeux comme ça, je trouve ça trop mignon, trop pratique. Bon, enfin, après, on a les symboles. Celui-là, c'est plus sur les symboles. Et le dernier que j'ai trouvé aussi plutôt marrant. Donc, on a un son. Et à chaque fois, après, on a le mot entier, mais avec le début du son encadré. Donc, je trouve ça plutôt cool parce que tu apprends plein de sons, enfin de mots comme ça. Et il faut savoir que moi, je n'ai pas encore tous les kanas. Voilà, je les connais pas encore tous. Mais je crois que je suis presque à la moitié. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, j'ai eu des stickers Poupée LOL, pardon. Donc, elle m'avait dit, je crois qu'on n'en a jamais assez ou un truc comme ça. En fait, on a 4 planches différentes et on a 120 stickers. Voilà. J'essaie de tout retrouver parce que j'ai mis du bordel sans nom. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ah oui, le dernier cadeau qui était celui-ci, qui est un porte-clés de la petite, enfin, d'un des deux personnages que propose Lily dans sa boutique Magical Imoto. Voilà. Et ah oui, voilà le truc qui me manquait. C'est ceci, c'est une pancarte, ça c'était le premier lot, une pancarte avec une tête de panda, avec écrit toujours être pandastique. Et ça c'est le genre de pancarte que tu retrouves à Stokomani, à Babou, etc. Je sais tout simplement parce que dans cette collection j'ai acheté pas mal d'objets, dont par exemple les sacs en papier qu'il y avait pour en faire des cadres, les pailles et d'autres trucs comme ça. J'ai pas mal de trucs de cette collection et je crois que j'ai rien oublié. Normalement j'ai rien oublié, mon petit pancha. Et si j'ai oublié de montrer un truc, c'est vraiment que je l'ai, je sais pas, voilà. Donc je suis une grosse merde, j'espère quand même que vous me pardonnerez. Je vous mets donc en accéléré quand même la vidéo, la première, enfin ce que j'avais filmé, pour que tu vois vraiment mes réactions, etc. Parce que je trouve ça quand même très important. Et je suis vraiment désolée, je suis vraiment une gaffe sur pattes en ce moment et il y a le manque de fatigue qui est vraiment présent. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo et si dans la vidéo du coup je disais et j'insiste vraiment là-dessus, je t'invite à aller voir la chaîne de Lily. Pourquoi? Parce que déjà son univers est très doux, pastel, kawaii, tout ça, donc certes ça peut pas plaire à tout le monde, mais Lily est autiste et donc elle va mettre en avant vraiment cette... J'aime pas dire maladie. Être autiste et aussi moi et enfin tous les deux avec Lily on va se revoir très très vite parce qu'on se revoit en avril, on a déjà posé plus ou moins nos dates et on se revoit en avril et donc on va faire plein de vidéos ensemble sur ma chaîne Ibi World, pour ma chaîne Ibi World, pour ma chaîne Ibi Otaku et donc je t'invite vraiment à aller la suivre parce qu'en plus on va filmer des vidéos plutôt pas mal et j'espère qu'elles te plairont. Donc sur ce, à bientôt, je te laisse donc avec l'accéléré, bye. Je viens de me rendre compte que du coup, vu que je t'ai refait la vidéo swap, je ne t'ai pas lu le petit mot qu'elle m'avait mis. Donc, coucou Ibi, enfin, Ibichou déjà, en gros, et voilà à quoi ressemble la lettre. Alors, coucou petit panda, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment heureuse de pouvoir effectuer mon tout premier swap avec toi. Elle, c'était donc son tout premier swap. Moi, c'est pas mon tout premier swap tout court, mais c'était mon premier swap du coup avec elle. J'espère que tu apprécieras ce que je t'ai choisi. Et donc, je peux dire que oui, j'ai apprécié, j'ai tout aimé. Je voudrais que tu saches que tu es important pour moi et je ne veux pas que tu... je ne veux pas te perdre. Merci de faire partie de ma vie. Et donc après il y a des petits stickers My Little Pony et en bas mamie des petits cœurs avec qui je t'aime fort Princesse Lily. Donc le 1 c'était car tu es pandastique et donc c'était l'affiche. 2, un peu de douceur dans ce monde de brut, c'était la peluche. 3, pour ton futur séjour au Japon, c'était donc les 3 cahiers pour apprendre le japonais. 4, petit et mignon décoratif, on s'en lasse pas. J'ai mis tout où déjà les jouets. Ah là, petit mignon, ça ne lasse pas. Ah oui, le collier, pardon. Afin d'augmenter tes tenues. Non, ça c'est. Afin d'augmenter tes tenues, donc le petit mignon, ça ne lasse pas. Oh purée, j'ai un doute. De toute façon, tu verras sur la vidéo, sur l'accéléré, dans quelle heure c'était. Pour mettre sur papier donc tout ce qui te passe par la tête, c'est le fameux cahier donc Mickey Mini. Ensuite, j'ai perdu des poils déjà du panda. Ok, tout va bien. Du mignon dans l'assiette, donc c'était les assiettes poupée LOL, j'ai pas oublié le nom. Pour prendre soin de toi, mon petit panda, donc ça c'était le masque panda Claire's. S'hydrater, oui, mais s'hydrater avec une touche de kawaii, c'est mieux. 9, pour aller avec le numéro 9, donc c'était la fameuse paille. Oui, j'ai pas tout sorti parce que j'avais tout mis en tête comme il faut. 10, afin de préserver tes plus beaux souvenirs, donc c'est l'album photo. Et 12, pour emporter partout avec toi, c'était son fameux porte-clés de la, le personnage Magical Imoto. Voilà. Voilà, donc. Maintenant, je t'invite à voir la suite, donc l'accélérer avec l'ouverture de tout ça. Et comme ça, tu pourras voir au moins mes expressions. Et je trouve ça important quand même de voir mes expressions quand j'ai vu un truc, même si tu n'as pas le son.
Bravo Ibi. Allez, on met en commentaire un hein, bravo Ibi la boulette. Voilà. Ibi la boulette. Hashtag Ibi la boulette, je te mets ici. Tu me le mets en commentaire pour me dire que tu as bien vu la vidéo. Et je te retrouve donc très très vite pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve aussi rapidement pour un nouveau swap. Parce que si je dis pas de bêtises, on a un swap de prévu avec la youtubeuse Cuties pour le mois de février. Je n'en dis pas plus. Bye! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec la fiche panda. 11 avec le collier, il en manquait. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais il est où le dernier? Ah, les assiettes. Je sais plus si je leur ai montré. Si, les assiettes poupées, lol. Si, je leur ai montré. Donc j'ai les 12. C'est bon, j'ai retrouvé les 12. Ah oh, putain, par contre, je me fatigue. Mais comment j'ai pu oublier cette histoire de micro? J'ai fait la même gourde chez Ina. Putain. Ma Kurama, j'ai passé mon temps à vérifier si le micro était allumé. Mais j'ai merdé de ouf. Putain. J'ai envie de pleurer tellement ça m'énerve. Comment j'ai pu oublier le micro le jour d'un swap? Ce serait la présentation d'un manga. Tu peux le refaire. Mais un swap, tu peux pas le refaire, putain. Oh là là, comment ils peuvent me supporter, mes amis? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il va falloir trouver un nom. Tu vas t'appeler calmement, toi. Répète. Ouais, écoute, tu viens du boulevard Clément Ardeur. Adère. Tu vas t'appeler Clément. D'accord? Non? T'as les yeux bleus, t'as un nom de garçon. Tu vas t'appeler Clément. Voilà.
Thank you.